Vous êtes sur la messagerie du 07. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Farid. Je fais une expérience sociale. Alors, je suis youtubeur et ça va vous prendre 30 secondes. J'ai fait votre numéro complètement au hasard. Je sais pas dans quelle région. Mon numéro, normalement, il est en liste en secret d'appel et en liste rouge. Donc, ah oui ? Excusez-moi, mais moi aussi, je fais un métier, donc j'ai pas trop le temps. Merci. Bon, ok, elle a pas voulu parler avec moi. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, je me présente, je m'appelle Farid, voilà. Avant de raccrocher, il y avait une chance sur un million qu'on se parle. J'ai fait votre numéro complètement au hasard. Et voilà, donc j'ai une chaîne YouTube et je voulais parler avec vous. Vous êtes dans quelle région? Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Non, mais mademoiselle, c'est quand même, c'est exceptionnel l'appel que je vous fais, là. Vous vous rendez compte? Mais alors, qu'est-ce que tu veux, alors? Qu'est-ce que je veux? Vous êtes un peu familier, mademoiselle. Quand même. Vous êtes de quelle région? La région PACA. Ah ouais, ça se sent l'accent. Et vous faites quoi de beau aujourd'hui? Je suis en vacances, mais ça c'est un peu familier aussi de demander des trucs comme ça aux gens alors qu'on les connaît pas. Ben oui, mais c'est le... En fait, je vous explique, je suis quelqu'un de timide et j'essaie de prouver qu'on peut vaincre sa timidité. Ah. Voilà. Et je me disais que j'allais appeler au hasard une personne en faisant un composant un numéro au hasard et que j'allais voir ce que ça allait donner. Voilà, que vous en pensez quoi de faire ça? Bah c'est bien, si ça peut être une forme de thérapie, tant mieux, hein, si ça peut vous aider. Ah, et excusez-moi, et vous faites quoi dans la vie, vous? Ah, je suis enseignante. Ah, vous êtes enseignante? Ah, c'est cool ça. Ça, c'est un beau métier. C'est qui? Ah, de pole dance? C'est qui? Je sais pas, c'est un mec, il appelle. Il a pas d'amis, il recherche des amis parce qu'il est timide. Ah, d'accord, ok. Ouais, il y a ma copine qui me... Parce que je suis mariée avec une femme. Et du coup, il y a ma copine qui me demande là parce qu'elle est un peu jalouse. Parce que moi, je suis bi. Donc, dès qu'il y a un mec qui m'appelle, elle est un peu jalouse. Ah, mais... Ah, d'accord. Ben, c'est cool ça si vous êtes bi. C'est super ça. On va pouvoir... Non, elle est pas bien. Elle... Non, ça, elle est jalouse, là. Moi, je suis une grande une grosse guinasse. Elle, c'est une guinasse. Ah, d'accord, si c'est une guinasse, bon, ben, elle a raison, hein. Peut-être que... Elle a été déçue des hommes? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a été déçue des hommes pour être une guine ou ouais, c'est depuis la naissance? Ouais, je suis déçue des hommes. Du coup, maintenant, je préfère les femmes. Ah oui? Mais pourquoi vous préférez les femmes? Ah ben, je préfère les femmes. Non, mais elle est un peu neuneu. Ouais, ah. Bon, retourne à la chambre, c'est bon là. Ah, et ça vous intéresserait pas de voir, je sais pas, de retourner un peu vers les mecs? Nous, ça nous intéresse de faire un film de cul. Ah ouais? Ah, eh ben, je suis caméraman. Je peux venir tourner. Parce qu'on a des gros lalas. On a des gros lalas. Vous parlez mal, mademoiselle. Non, on rigole. Non, on était complètement détente. Hein. Moi, je suis prof de pole dance. Et elle est prof de quoi? Elle travaille dans la rue. Attendez, mais votre voix, elle m'est familière. Vous seriez pas Eva la rongeuse de melon? Oh putain! Oh là là, on est tombé sur Eva, la rongeuse de melon! Que vous connaissez les conseils pas chers pour pas gaspiller la nourriture, notamment le melon? En fait, là vous voyez, il reste un petit peu de melon. C'est dommage de gaspiller ça. Il reste rien aussi. Donc il faut ronger. Et pour ronger. Et votre amie, ça serait pas Lisa FDZ, la bitchounette? Au gros mollet? Non, c'est plutôt les gros lolos. Ah, les gros lolos? Bah, ben voilà.
Bon, ben c'était cool ça. Bon, t'as vu que c'était l'arnaque, c'était. Ah ouais. Attends, on va essayer de mettre en vidéo. Non. Oh là là. Après, pour que tu nous vois en vidéo, en fait. Ah mais oui, on veut vous voir en vidéo, allez. Allez, Lisa, monte ta figure, toi. Monte tes gros mollets. Voilà, tu vois. Ah tiens, ça parle, Lisa, la... Lisa, la bichoulette. C'est moi. Ah ouais. Celle qui twerk. Ah mais ça fait rien, elle est déjà sur mon Instagram, je vais tout récupérer sur mon Instagram, tout le monde la verra. Mais alors à Malaga, ça va, ça se passe bien? Ouais, regardez, on a plutôt une belle vue, hein. Waouh. Et est-ce que tu m'as fait des infidélités? On veut savoir ça. Bah logique. Ah ouais? Ah ouais, j'ai rencontré un mec, laisse-toi tomber. Oh, elle s'est toute amoureuse de lui et au final, il n'y en avait que pour moi. Quand il m'a dit, il me disait, hey, how are you, beautiful? J'aime fan, thank you. Mais t'es pas un peu gaga? Une semaine avec toi, c'est horrible. Ah bah alors, quoi, t'es avec l'homme de ta vie. T'es pas heureuse? Non, franchement, je suis mieux avec mes copines ici. À la base, déjà, j'étais venue pour clé sur des nets. J'ai pas réussi. Du coup, j'ai enfilé des coquillages. La prochaine fois, je te quitterai, hein, en fait. La prochaine fois, j'ai décidé, quand je pars en vacances avec mes copines, je te quitte une semaine. Et après, je me remets avec toi selon si je passe pas un mec sérieux. Ça, c'est cool, ça, comme... Ah ouais. Bon, là, on peut dire qu'on s'est quitté. Ce soir, je vais sortir en soirée, je vais essayer de pécho. Ah non, putain, Seb, il est plus là, fais chier, j'aurais dû te dire ça hier soir. Ciao Léna, et au fait, vas-y, tourne la vidéo sur la caméra, s'il te plaît. Faut pas croire tout ce qu'il dit, parce que ce mec, c'est un gros mytho. Moi, je vous le dis, tous les gages que vous allez lui donner, il va pas les faire, parce que... C'est un gros mytho, et sinon, moi, j'ai vraiment pas de chance de l'avoir. Allez, bisous, ciao Léna. Bon, comme t'as compris, eh ben, franchement, j'ai essayé de faire, j'appellerai chez vous ce soir. J'ai pas réussi, j'ai fait au moins une trentaine de numéros de téléphone. J'y suis tombé sur personne, donc du coup, je me suis dit que c'était cool de te faire un petit clin d'œil avec Lisa et Eva. Et voilà, donc, mais t'inquiète, je lâche pas l'affaire. La prochaine fois, j'arriverai à voir quelqu'un. Je crois que ce sera la dernière vidéo de mon défi 30 jours, normalement, celle-là. Ça devrait être la 30e. Voilà, parce que, et après tu me verras plus pendant quelques jours parce que je serai à Malaga, à Alicante, donc je risque de peut-être pas te publier de vidéo jusqu'à la semaine prochaine parce que je vais décompresser, j'ai fait quand même 30 jours, mais t'inquiète, après je suis régulier, ça sera 3 vidéos par semaine minimum, donc c'est cool quand même. Et aussi j'ai cassé mon ordinateur, donc c'est un peu la galère pour moi, pour mon monteur actuellement, mais on va se débrouiller, t'inquiète. Voilà, et d'abord on va faire un point sur ces vidéos 30 jours, ce que ça m'a apporté, patati, patata, t'inquiète, voilà. Allez, je te dis à plus, tchou-tchous. Alors, là, tu dis quoi, là? Dis-leur.